Attends, maman. Ça va? Bon, les filles, vous écartez. Allez, faites un tour de praticable, on se revoit demain matin. Ne vous inquiétez pas, Rose, ça va aller. Merci, merci. C'est pas vrai. Mais Marlon, qu'est-ce que t'as dans la tête en ce moment? Je suis désolée, papa, je suis désolée, pardon, pardon. Je me rencarte sur les filières djihadistes. Hein. C'était ses meilleures copines. On savait même pas qu'elle avait un mec. C'était pas son mec. C'était son mari. Quelqu'un était au courant? Franchement, comment voulez-vous que vous êtes? Elle ne disait rien. Ok, bon, j'ai besoin de vous, les filles. Pour essayer de vous souvenir de tous les moments que vous avez eu avec elle. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez remarquées? Même un détail, une phrase, un mot qu'elle aurait pu dire. Qui a l'air de rien maintenant, mais qui pourrait être important pour moi. Elle disait qu'elle avait la nostalgie de sa vie d'avant. Et elle retournait même son ancien lycée. Mais enfin, c'est tout, quoi.